Singes sans queue, les gibbons font partie de la famille des orangs-outans, des gorilles, des chimpanzés et des hommes. Au cours d'une évolution de plusieurs millions d'années, ils sont partis à la conquête d'un milieu quasiment inexploité par les autres singes, les sommets des forêts tropicales, d'où leurs chants se répandent sur plusieurs kilomètres. Perchés à plus de 25 mètres du sol, rapides et audacieux, ils sont à peu près inaccessibles et ne connaissent pratiquement aucun concurrent, ni aucun prédateur. Ainsi, il y a encore 20 ans, ces gibbons régnaient sans partage sur les forêts de la grande île de Phuket, au sud de la Thaïlande. Aujourd'hui, les gibbons de Phuket ont totalement disparu. C'est qu'en quelques années, Phuket est devenue une des régions les plus touristiques du globe. Et les gibbons ont été transformés en attractions. Dans les hôtels ou les bars, leurs mines affectueuses et leurs facéties servent à attirer les clients. Ils ont donc été arrachés aux forêts de l'île, qu'ils ont laissées désertes et silencieuses. En 1992, une loi thaïlandaise a rendu totalement illégale la possession des gibbons et la CITES, une convention internationale, en interdit le commerce. Malgré cela, ce sont plus de 200 de ces animaux qui sont encore exploités pour les touristes sur la seule île de Phuket. Un bébé gibbon se vend entre 5 000 et 10 000 bahts, soit plus que le revenu mensuel moyen d'un Thaïlandais. S'il est acheté ce prix-là, c'est qu'il reste un produit rentable. Les forêts de Phuket étant maintenant désertes, c'est vers d'autres régions que se tournent les trafiquants. Peu à peu, le danger s'étend et les gibbons sont de plus en plus menacés dans leur dernier retranchement. Les gibbons captifs vivent dans des conditions totalement inadaptées. Pour certains, une chaîne trop courte portée pendant des années peut suffire à déformer irréversiblement leur corps. D'autres, pas trop abîmés, ont plus de chance. Ils peuvent alors être recueillis par le centre de réhabilitation des gibbons de Phuket. Dans le village de Koh Phanui, lieu de passage obligé des excursions touristiques en baie de Pangna, Mark Mason, membre hollandais de ce centre, se voit ainsi confier un gibbon de 4 ans. Son nom est Black, c'est ça? Et elle travaille depuis combien de temps? Elle travaille depuis 3 ans. Elle ne travaille plus, elle ne fait plus de photos. Black est conduit au centre de réhabilitation des gibbons de Phuket, un centre soutenu par les autorités thaïlandaises, mais pour l'instant dirigé par des biologistes et primatologues occidentaux, amoureux de la nature et des singes. Ces chercheurs ne se contentent pas d'arracher les gibbons à leur vie captive, ils essaient de tout faire pour leur réapprendre pas à pas la vie sauvage, afin qu'ils puissent un jour retourner dans la forêt. Pour la première fois en plus de 3 ans, Black n'a plus de laisse qui le contraigne. Il peut se mouvoir librement, sauter, se pendre et finalement déjà réapprendre à se propulser avec ses longs bras, comme un vrai gibbon doit savoir le faire. Pour lui, c'est peut-être le début d'une aventure qui lui permettra de retourner dans la forêt. Dans cette aventure, d'autres gibbons l'ont précédé. Plus de 40 ont, comme lui, quitté leur chaîne pour intégrer les cages du centre de réhabilitation de Phuket. Au milieu d'eux, Black entend pour la première fois de sa vie d'autres gibbons chanter. Dans de grandes cages aménagées et au contact de leurs semblables, les gibbons de Phuket vont pouvoir réapprendre à choisir leur nourriture, à se déplacer, à chanter, à vivre en couple, à défendre leur territoire. Mais tout cela prendra au moins 2 années.
car ce long parcours est semé d'embûches et les séquelles de la captivité sont souvent très profondes. Durant ces 2 années, il leur faudra surtout oublier les hommes, apprendre à les éviter et cesser tout contact positif ou négatif avec eux. Les gibbons de Phuket doivent réapprendre jusqu'aux gestes les plus simples, comme boire par exemple. Ceux qui viennent d'arriver au centre continuent de boire à la bouteille, comme dans les bars. Dans la nature, ils ne pourront que plonger la tête dans des trous de pluie et tenter d'y happer l'eau, sans être aucunement assurés du résultat. Au contact des autres, ceux qui ont déjà passé un certain temps au centre ont appris à boire comme des gibbons. Ils plongent le revers de la main dans l'eau et aspirent les gouttes qui s'écoulent sur leurs longs poils et entre leurs doigts. Ainsi, dans la nature, ils pourront atteindre les trous d'eau les plus inaccessibles en y plongeant leurs grands bras et réguler parfaitement les quantités selon leurs besoins. Pour bien marquer ce cheminement vers la vie sauvage, le centre est construit sur le flanc d'une colline. Plus les gibbons sont avancés dans le processus de l'apprentissage, plus ils s'enfoncent dans la forêt en rejoignant des cages placées plus haut sur la colline. Les sons, les odeurs, les couleurs de la forêt prennent alors le pas sur le monde des hommes. À l'étape ultime, au sommet de la colline, les gibbons n'ont plus aucun contact avec les hommes. Ils sont totalement isolés au cœur de la forêt. Tout se fait à distance. Une simple bâche les soustrait au regard. Derrière ce rideau, une famille vit ses derniers jours en cage. Bientôt, elle sera libérée dans la forêt, sur des îles protégées et goûtera enfin au bonheur de la vie sauvage. Pidgey est le père de cette famille, Omalu la mère. Ensemble, ils ont mis au monde un bébé, Boom, aujourd'hui âgé de 2 ans. Boom est né au centre. Il n'a jamais connu les bars ou les restaurants de Phuket. Il n'a été élevé que par ses parents. Pour eux trois, ce sera bientôt l'aboutissement de 2 années de réadaptation. 2 années passées à oublier les hommes, à réapprendre la vie dans la nature et à recréer ces liens de famille si solides et si harmonieux, propres aux gibbons. Ces notions de solidarité et de partage qui sont le propre de leur espèce dans la nature, les gibbons captifs les ont totalement perdues. Au début du processus, la méfiance est entre eux omniprésente. Les plus forts s'accaparent par exemple la nourriture et ce qu'ils considèrent comme des aliments de choix. Le gibbon Bill va même jusqu'à rester près du panier pour se l'approprier et à éloigner les autres. Par contre, au sommet de la colline, dans la famille, le partage est bien la règle d'or. Manger ainsi ensemble sans se disputer les morceaux, cela ne se voit chez quasiment aucun autre singe. Mais chez les gibbons, il n'existe aucune dominance comme on en voit chez les chimpanzés ou les gorilles. La famille est très soudée. Un couple se forme pour la vie, une fois pour toutes. Ils sont donc très difficiles dans le choix de leur partenaire. Mais une fois qu'ils se sont choisis, ils se montrent plus tendres et plus câlins que la plupart des autres singes. Ce sont d'ailleurs les seuls singes monogames de l'Ancien Monde. Au sein même du couple, l'égalité règne. Il n'y a pas de différence morphologique marquée. Mâles et femelles ont la même taille, les mêmes défenses et notamment la même dentition. Il y a aussi un vrai partage des tâches et très peu de différence dans les rôles sociaux. Au cours de l'épouillage, qui est plus un acte de rapprochement social qu'une vraie mesure d'hygiène, chacun épouille l'autre à tour de rôle.
Mais les manifestations les plus éclatantes de ces liens du couple, ce sont bien les vocalisations. En couple, ces chants ont un ordre très spécifique. Le mâle commence par émettre des petits ou-ou auxquels répond la femelle. Un échange s'ensuit jusqu'à ce que les vocalises de la femelle éclatent en une série de notes cristallines, hautes perchées qu'aucun chanteur d'opéra ne pourra jamais imiter. C'est son fameux grand cri, le chant qui se répand le plus loin dans la forêt. Ces chants ne se chevauchent jamais. Ils alternent parfaitement et signifient ainsi aux autres gibbons que mâle et femelle forment bien un couple. Et comme seuls les couples détiennent un territoire inviolable, ils préviennent ainsi l'intrusion de gibbons étrangers. Mais ces vocalisations semblent exprimer encore plus. Grâce à la diffusion d'enregistrements, les primatologues pensent que le couple indique ainsi aux autres groupes la présence dans leur famille de jeunes en âge de procréer. Cela faciliterait les rencontres entre célibataires aux frontières des territoires. Car les gibbons étant exclusivement monogames, et chacun se montrant tellement jaloux des individus de même sexe, un jeune arrivé à l'âge adulte doit forcément quitter sa famille. Il peut alors rester un ou deux ans à chercher un partenaire. Quand ils se sont trouvés, tous deux vont former un nouveau territoire et mêler leurs chants au concert des gibbons. C'est ainsi que s'étendent et prospèrent leurs populations. Quand nous les relâchons dans la forêt tropicale, nous avons déjà établi des couples. Ils sont alors capables de produire une descendance, de procréer et de créer ainsi une nouvelle population de gibbons. C'est cela que nous essayons de faire ici. Pas seulement de redonner la liberté aux gibbons en les réintroduisant dans la forêt. C'est la valeur de ce projet en termes de conservation. Réhabiliter les gibbons dans un espace menacé. Si nous avons un couple qui chante déjà, il est mieux armé pour la libération. Si l'on lâche des individus, il leur faudra passer par tout ce processus. Créer un couple, prendre possession d'un territoire. Et si nous pouvons déjà le faire lorsqu'ils sont en cage, ce sera un gros avantage pour eux. La famille qui va bientôt être relâchée forme déjà un couple et possède bien cet avantage. Autre avantage, Boum le bébé aura eu la chance de tout apprendre de ses parents, comme un vrai bébé gibbon, même s'il l'a fait en cage. Il a pu par exemple apprendre à se déplacer à la manière des gibbons, en jouant avec ses parents. Ici, un jeu de poursuite s'est instauré. Oumalou s'arrête pour attendre Boum par deux fois, mais repart dès qu'elle le voit arriver, et surtout avant qu'il ne puisse s'accrocher à elle. Avec ténacité, Boum la suit. Demain, Oumalou, Pidgey et Boum seront emmenés vers des îles, protégées des hommes. Ils y connaîtront enfin la liberté. C'est alors au cœur même de la forêt qu'ils vont pouvoir se poursuivre et jouer. Cette forêt tropicale où les arbres se dressent en imposants géants, où les plantes grimpantes se fraient un passage vers la lumière. Un monde fait pour les gibbons. Matin, les hommes font intrusion pour la première fois depuis plusieurs mois dans le territoire de la famille. La mère pousse des cris d'alarme, tandis que le petit émet des sons de peur stridents, totalement inhabituels. Pour eux, c'est de loin l'épisode le plus stressant de tout le processus qui commence. En leur offrant de la nourriture, on essaie de tromper leur méfiance et de les attirer dans une petite cage de transport.
possible. Pour attraper Boom, un homme va pour la première fois rentrer dans la cage et pénétrer de plein pied dans son territoire. Pour la première fois aussi, Boom va être touché par quelqu'un d'autre que ses parents. Pour lui, le stress est à son maximum. Le voyage vers les îles va durer plus de 2 heures. Le bateau, la mer, de nouveaux environnements inconnus qui augmentent encore un peu le stress. Pour le diminuer, Boom et sa mère sont placés dans la même cage. Pidgey, le père, est à côté, dans une autre cage, pour prévenir toute réaction d'agressivité éventuelle vis-à-vis de Boom. Au cœur même de la baie de Phang Nga, plusieurs îles ont été confiées au centre par les autorités. 15 gibbons y ont déjà été relâchés depuis plus d'un an. Leur chant se propage d'île en île. Notre famille va rejoindre l'une d'elles, l'île de Koh Deng, sur laquelle ils seront seuls dans un premier temps. Sur l'île, Pidgey, Omalu et Boom vont être laissés dans une cage pendant 3 jours. Le temps qu'ils se calment, que le stress disparaisse. Le temps aussi qu'ils s'habituent aux odeurs, aux couleurs et aux sons de la forêt. Cette cage, la dernière de leur vie, leur servira aussi de base pour établir leur territoire. Son emplacement a été choisi de manière à ce qu'ils puissent entendre chanter les gibbons des autres îles et établir avec eux des relations de voisinage. Ces 15 gibbons ont précédé Pidgey, Omalu et Boom dans leur conquête de la vie sauvage. Eux aussi viennent des bars ou des hôtels de Phuket. Sur les îles, à l'abri des hommes, protégés par la mer,
perchée dans les plus hautes branches des arbres, à plus de 25 mètres du sol, à l'abri des prédateurs naturels, ils peuvent jouir de leur liberté retrouvée. Au cœur de la forêt, profitant de leur vie de gibbons, ils ne s'intéressent plus du tout aux hommes. Ils ont retrouvé leur grâce et leur élégance, s'élançant de branche en branche sans le moindre effort apparent. Ils sont redevenus ces acrobates de l'espace parmi les plus accomplis de tout le monde sauvage. On est loin des premiers sauts hésitants des gibbons captifs, marchant au sol comme des animaux domestiques. Tout cet incroyable cheminement des barres de Patong jusqu'aux îles de la baie de Pangna a transformé des gibbons inactifs et silencieux en gibbons sauvages, évoluant en toute liberté dans la canopée. Cette liberté, notre famille va bientôt la connaître. Après 3 jours passés au cœur de la forêt, la porte de la cage va s'ouvrir. Ce jour de la libération, c'est l'aboutissement de 2 longues années de travail pour tous les chercheurs du centre. Mais personne ne peut dire comment cela va se passer. Vont-ils foncer vers la forêt ou hésiter à franchir le pas de la porte et à s'élancer dans la vie sauvage? Comment va réagir Boom, surtout lui qui n'a jamais connu que les cages? Pour 15 gibbons libérés, un seul a connu l'échec et a dû être ramené vers les cages. Un taux de réussite qui laisse pas mal d'espoir pour la famille, en même temps qu'un peu d'inquiétude.